salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, une petite vidéo haul comme j'aime bien les faire. Là j'ai acheté quelques petits articles dont j'avais envie de vous parler parce que je pense que c'était bon plan, je pense que j'ai fait des bonnes affaires, donc je suis content. J'ai essayé de sortir de ma zone de confort et c'est pour ça que je suis trop fier de moi. En plus au final j'aime bien ce que j'ai acheté. Depuis pas mal de temps, genre on me dit tout le temps quitte tes jeans skinny, quitte un peu, enfin essaye de porter des trucs qui sont plus larges. Vu que t'es grand et que t'es mince, ça peut le faire, des trucs cargo, des pantalons un peu plus larges. Et tu sais quoi, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai tapé de pantalon cargo et je suis tombé sur pas mal de petits trucs en recommençant avec Fashion Nova. Alors c'est un pantalon noir avec des espèces de bandeaux devant, des espèces de bandes devant. Je trouve ça grave original parce que je voulais pas me contenter d'un pantalon cargo habituel, je voulais un truc vraiment différent. J'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort et pour le coup je suis content. Enfin cargo je pense que c'est quand il y a des poches, non? Enfin je suis pas du tout un spécialiste donc c'est pour ça que je demande. Bah il est pas si large que ça, au final je suis quand même resté dans quelque chose qui me plaît de base. C'est pas skinny non plus, bah c'est pas du tout skinny, mais c'est large tout en restant près du corps au niveau des mollets en fait. Donc c'est vraiment une coupe qui me convient. Et ce que j'aime surtout vraiment c'est ça en fait, les espèces de sangles là, de boucles. Bon, c'est pas quelque chose que je vois souvent chez les gens, et genre quand je passe, genre quand j'arrive derrière quelqu'un, on me voit avec le truc tu vois qui pendouille tu vois. Mais bon, m'en fous, hein. Moi je m'habille pour moi, je le porte souvent, je le porte quand même souvent. Et j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Le deuxième c'est un kaki, il vient aussi de Fashion Nova. Lui sa particularité, bon c'est aussi un cargo même s'il est un peu plus serré que l'autre. Je préfère la matière de celui-ci parce qu'elle est un peu plus élastique. Ce que j'aime lui c'est les espèces de fils à l'arrière là, espèce de bande. Je voulais vraiment pas des trucs normaux en fait. Mais c'est cool, ça passe bien, moi je suis content. Il est archi confortable, enfin les deux de toute façon ils sont ultra confortables. Et les deux je les ai pris en L parce que moi je fais du L chez Fashion Nova. Et il taille nickel, c'est vraiment la longueur parfaite pour mes jambes. Et niveau épaisseur c'est parfait aussi. Je pense que je vais plus souvent acheter de pantalons chez Fashion Nova parce que j'ai trouvé ma taille et ça a l'air d'être la même taille pour tous les pantalons. Parce que j'avais déjà acheté un track pant chez Fashion Nova et la longueur était parfaite aussi. Donc là je pense que je vais plus souvent en porter. Ils sont cool, ils sont vraiment cool. En plus ils sont faciles à associer, le noir et le kaki c'est des couleurs vraiment faciles à associer donc pas de souci. Et le troisième c'est on va dire un pantalon cargo, ouais, ben un pantalon cargo que j'ai acheté chez Zalando, un pantalon cargo camo en fait, c'est ça que je cherchais, mais camo un peu bordeaux, enfin c'est vraiment pas mal, j'aime vraiment beaucoup la couleur, c'est des tons un peu froids mais le bordeaux ça rehausse un peu le tout, enfin je sais pas si vous voyez. Donc moi je trouve ça parfait pour l'hiver, je le porte pas aussi souvent que je devrais, je crois que je le portais plus souvent en fait. Mais il est cool lui aussi, il est resserré en bas en fait, ils sont tous resserrés en bas parce que vraiment l'effet large en bas pour l'instant je suis pas encore prêt. Peut-être ça va arriver plus tard mais pour l'instant je suis pas prêt. Mais en fait les pantalons cargo ce que j'aime bien, ce que j'ai appris à bien aimer, c'est tu te sens vraiment à l'aise dedans quoi. C'est large, tu te sens vraiment bien. Un slip c'est plus acceptable qu'un jogging, même si au final c'est un peu la même fonction, hein, je trouve. C'est juste pas la même matière, mais c'est la même fonction, c'est large et c'est confortable quoi. Mais c'est ça qui est pratique, genre c'est acceptable, tu peux porter ça. Moi je porte ça parfois pour aller au taf. Et ça passe. En cours normal, en cours kikala comment tu t'habilles, mais au taf ça passe aussi. Bon après il faut pas venir en survêt non plus, mais ça, avec des trucs comme ça, ça passe. Et enfin c'est l'article dont je suis le plus fier. C'est cette espèce de gros suite à capuche. Il est énorme. En fait, il est oversize. Il est énorme. Il est oversize. Et il est en fausse fourrure. Il est tout doux. Il est trop doux. Et il est archi chaud. Il tient grave chaud. Je pense que je pourrais même parfois sortir en hiver juste avec ça et je serais bien. Et tu te sens tellement bien dedans. Et la couleur, c'est surtout la couleur. De toute façon, vous savez que moi, le jaune, c'est ma couleur préférée. Hein. Je kiffe. Kiffe le jaune. Quand j'ai vu ça sur Asos, j'ai directement screen et je l'ai mis en story Insta. Je vous ai demandé votre avis et vous avez été plusieurs à dire qu'il était bien. En général, vous avez dit qu'il était bien en fait. De toute façon, même si vous avez dit qu'il était pas bien, j'aurais acheté. Il est trop beau. Enfin, j'en profite là justement comme c'est l'hiver parce que comme il tient chaud, je pourrais pas le porter quand il fera chaud. Donc là, je pense le saigner. J'espère juste que j'aurai pas trop chaud avec ça en cours parce qu'il tient vraiment vraiment chaud. Il est de la marque Asos Design, je suis vraiment trop content du résultat. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres gros suites à capuche oversize comme ça avec d'autres coloris qui sont pas mal, donc je vais peut-être en acheter un autre. Je vais voir. Donc voilà les gens, ce petit haul est terminé, c'est un petit haul rapide mais j'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez les cargos, j'aurais jamais pensé en acheter mais c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est ça que je kiffe dans YouTube. C'est que c'est des gens qui me suivent, qui m'ont donné l'idée et au final je découvre des nouvelles choses, c'est génial, j'espère que je vais découvrir des nouvelles choses aussi. Je kiffe trop YouTube. Voilà, si je vous ai donné quelques idées, je suis trop content. Comme d'habitude, portez-vous bien les gens. Tchuss.